Salam alaikum, c'est Diamant du groupe Express. Donc, je suis un artiste, auteur-compositeur pour ceux qui ne me connaissent pas. Je fais cette vidéo aujourd'hui pour d'abord présenter mes condoléances à la famille d'Aminataka, notre sœur là qui a été tuée de façon inhumaine. Et du coup, j'allais au Sénégal, du coup, j'allais à Mbokam, du coup, j'allais à mon bob aussi parce qu'elle pouvait être ma sœur. Elle pouvait être aussi la sœur de tout un chacun parmi nous. Donc, et donc je voulais aussi profiter de cette occasion pour parler un peu de cette violence faite aux femmes qui commence à gagner du terrain et que ma xamné luñu wara waxtaan la parce que mu ngi nek lo xamanteni fléau la bo xamanteni mu ngi gagner du terrain ici au Sénégal et partout dans le monde peut-être je dis. Donc, le but de cette vidéo, c'est, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est une façon de donner mon point de vue à moi personnellement. Vu que on est des artistes, donc peut-être même si c'est bien 5 personnes, on a une top, on a une idée bleue, donc c'est une batterie, c'est une bonne togale, on a une aigle faire une vie. Et en toute modestie, donc je veux utiliser ça pour voir sur le positif, voir aussi leur maintenir. Nous avancer loin en fait. Voir aussi leur ramener des parce que je ne veux pas faire partie de ces personnes qui se sont tues au moment où il fallait parler. Et pour moi, en ce moment, il faut parler. Il s'agit plus de peut-être chanter des trucs comme ça, mais il faut qu'on se parle. Nous les hommes, il faut qu'on se parle, nous les jeunes. Il faut qu'on se parle en tant qu'Africains parce que l'heure est grave. Bon, je pense que Occident, oui, on commence à nous imposer avec habitude à ramener sans nous rendre compte. Voilà, donc j'ai parlé de l'Occident. Pourquoi? Parce que tout simplement, les femmes ont une influence pour les gens. Et ils le font de façon exprès. Donc, à travers le net, à travers les films que nous regardons à la télé, tu verras un boy qui a manqué de respect. Manqué de respect. Et nous, on essaie de. Ils essaient de nous imposer ça de façon délaissée, comme s'ils ne le font pas exprès. Parce que, comme on dit, la répétition elle est pédagogique, ce rôle est déguisé dans la force. Peut-être c'est une cette nouvelle génération-là, et qui ont cette malchance de vouloir trop copier. Parce que, génération de Boha Manteni, il y a beaucoup de copier. Génération Boha Manteni, j'en fais partie en fait. Électronique, ils ont une éducation électronique. Donc, ils ont fait que nous, les jeunes, on a une éducation très électronique et cette éducation électronique vient de l'université Internet Bi. Donc, maintenant, l'enfant ne s'éduque plus à la maison. Donc, bah, je l'ai un téléphone qui est américain, qui est tout commencé à donc, l'ONU, moi, il a maintenu, moi, imposé africain. Et il y a des gens qui vont faire connaître quoi. L'Afrique, c'est le futur. Mais si les Africains pensent que l'Occident a plus de gens qui vont que c'est parce que dans notre tête, on pense qu'il y a quelque chose là-bas que nous, on ne peut pas avoir ici. Et ils ont quelque chose de plus que nous, on n'a pas. Alors que nous, on a plus que nous. Cet humanisme-là qu'ils essaient de tuer chez nous en fait. Je vous donne l'exemple de quelque chose à pas moderniser l'utilisation. Tu me diras, déjà, nek le tenu du monde bobu, nek du monde moderne légui, des trucs comme ça. D'accord. Maintenant, la femme doit maintenir qu'elle doit moderniser. Je te donne un exemple de la terre à terre. Mon biberon, la femme maintenir. On sait que maintenant, les jigéni, beaucoup de nous n'ont pas le sein d'homme avec ses nouvelles. Ils préfèrent n'ont pas les biberons. Ils te donneront des excuses comme ouais donc je veux garder ça ma lit ça ma lait donc tu vois alors que when binga hamanteni suñu yaay mom lañuy utiliser won bok liñu ci nampal dafa am ben trait d'union buñ doon def entre l'enfant et sa maman ci bu koy nampal diko xol ben yermandel bu amone bo hamanteni da fay nek lu puissant lo hamanteni xalé bi du mësa faté lool ci aduna sensibilité entre yaay ak dom fofu lay jëk jogé. Ce dernier, le cordon et ombilical, il faut que je le. Ce regard-là veut beaucoup dire en fait. Ce regard-là, c'est quelque chose que ça va préparer l'enfant pour qu'il sache qui est.
Donc, pour revenir encore sur le but du sujet, cette violence faite aux femmes, donc, tu l'as commencé. Donc, tu absence bobu absence yermande puis yaay wara meuna am ci digantek dom meuna am ci digantek yaayam qui commence par bi nga nekké xalé bañ lay nampal di la xol ba tu yermande nga xamné sa yaay moy ki nga xamanteni so sa papa sax meuna tedd dina law mom so joyé mu jog so sonné mu jog so nelawul du nelaw so contane du contane parce que cordon ombilical bi len bolé won depuis 9 mois moom mooy continuer ba léegi di jaar ci cet allaitement weenam mu lay nàmpal di la jox yërmande donc loolu foofu lay jógee. Comment un homme soo mënul am cër ci sa yaay wala nga am benn yërmande ci sa yaay doo ko am ci keneen te ñàkk joxe yërmande boobu noonu ñun ñoo ko rayal suñu bopp par yenn affaires yi ñuy wax nañ koy moderne. Voilà noonu la demee góor yàlla góor moo dul dóor jigéen loolu moom jarul sax ñuy xëcc di dem di sori 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 góor un homme mu leer na ne yow ki nga tiim di ko dóor du fayu mu leer na ne yaa ko ëpp doole mu leer na ne elle pourra pas se défendre mu leer na ne mën nga ko gaañ nga continuer di ko dóor xëy na mu lay wax baal moom mu lay supplier nga continuer di dóor muy jéem a défendre ba fi force am yam parce que góor moo ëpp jigéen doole ngay continuer di ko dóor ba gaañ ko ba rey ko. Tu veux te battre, mais génial. Gang sa yaay si mbedd mi demal tu veux te battre, bat-toi avec les hommes. Demal nga xeex ci mbedd mi. Soo bëggee am looy prouver bu fekkee suprématie ngay jéem a wane. Su fekkee ne da nga am benn affaire boo xamante ni tu veux montrer benn genre autorité. Mais génnal ci mbedd mi nga wan ko sa moroomu góor yàlla yi yow bu dee góor nga. Moo gën ngay nekk di présenté jigéen ñi ba mu lay jaral nga leen di dóor wala nga leen di rey. Ñii suñu ay sœur lañ dañu war a dawal plus de yërmande ci ñoom. Donc c'était ça, c'était une façon de donner mon point de vue par rapport à cette situation et parce que pour moi, à un moment donné, nekk na loo xamante ni kenn waru ko noppiwaale parce que suñ sëër yi nga xamante ni ak suñu nga xam ne ñun ay jigéen ñoo ñu jur suñ demee ba nga xamante ni egg nañoo ñoom ci di leen dóor wala di leen rey tañ waroon leen a mën a jàppale dimbali leen donc le monde se pervertit de jour en jour et il faut parler. Donc c'était une façon de avec sama humble nit bu mel nii ma mel xëy na wax ji sax mën na bañ a yegg feneen ak feneen mais bon wax rek parce que ñun ñëpp dañu war a wax ci situation boobu di ra dóor jigéen wala rey jigéen qui n' est vraiment pas atu bu humain c' est même pas anim mala yi sax am xëy na am na yërmande bu ñuy dégagé ci seen loolu jigéen kenn du ko dóor jigéen nañ koy yërëm donc comme ni ma ko waxee rek soo amee looy prouver wala benn nguur booy wane demal ci mbedd mi gang sa yaa ngi fi ku mën a rayantee la nga fi donc di jégalu ci kàddu yi bu baax ñu wan love.